Salut à tous et bienvenue pour mon cinquième épisode de mon let's play sur RimWorld. Alors ce cinquième épisode sera le dernier en fait de cette première session de jeu que j'ai fait, parce que j'ai déjà plus de 2 heures de jeu avant, si vous avez vu déjà les 4 premiers épisodes. Là c'est donc la suite et fin de cette première session, et je ferai une deuxième session plus tard. Vous les aurez, vous verrez pas la différence pour vous, mais moi ça me permettra de les enregistrer un petit peu plus tard. J'aurai déjà ces 5 premiers épisodes que vous verrez sur ma chaîne dans la playlist spécifique. Et tout, vous trouverez bien évidemment toujours tous les liens disponibles dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, si vous aimez les vidéos que je fais, eh bien un petit pouce vert et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez mis des commentaires pour les premières vidéos, en fait, pour ces 5 premières vidéos, je lirai tous les commentaires et je les appliquerai sur la deuxième session de jeu, si vous avez des choses à faire, etc. Et à ce moment-là, j'appliquerai ce que vous me direz pour m'améliorer, tout simplement. Voilà. Donc je tiendrai compte de tout ce que vous me direz. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc là, on en était arrivé où? Alors, on était arrivé que Alvarez, là, il vient juste d'être recruté. Voilà, donc j'ai un nouveau personnage. Et je l'ai mis, en fait, en growing et en cleaning. Donc, il cultive et il fait du nettoyage. Donc là, il est parti pour nettoyer ici toute la saleté qui est ici. Il y a plein de saleté aussi ici. Donc, vous voyez qu'il faut nettoyer pas mal pour... ça leur remonte le moral, en fait, au personnage. Vous voyez qu'O'Neill, là, il est un petit peu morflé. Mais il va aller miner. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 cox ici, bah, qui fout toujours que dalle, en fait. Lui, c'est mon soldat en chef, on va dire. Donc c'est toujours lui qui est... vous voyez, la coloniste Idol, là, ils disent que qu'il a rien à faire, en fait, tout simplement. Et il aimerait bien avoir quelque chose à faire, mais bon, c'est comme ça. Il y a Trevino, là, qui nous ramène du métal. Et j'ai déjà pas mal de ressources, regardez. J'ai pas mal de bouffe, pas mal de métal et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va remettre en route. Et on va voir ce qui se passe. On a Evans ici qui mine aussi. Ah, là, il va réparer des trucs. Là, il va réparer aussi. Il y a des petits trucs qui se cassent. Donc, il les répare au fur et à mesure. Puis après, ils reprennent leur boulot normal. Alvarez qui fait du nettoyage. Waouh, ça explose juste à côté de mes trucs solaires. De mes panneaux solaires. Donc là, j'ai mes batteries qui sont bien chargées et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, je suis en train, en fait, d'essayer d'agrandir... d'agrandir mon truc. Minage. D'ailleurs, je viens de voir que ici, voilà, on va en faire encore en plus. Hop, bon, on va faire tout ça en fait. Hop, à miner tout ça, ça va me permettre en fait d'agrandir ma base. Et ce que je vais faire aussi, c'est doubler, c'est-à-dire que je vais mettre des murs ici en... Waouh, c'est tombé sur ma truc. Ouais, c'est bon, il va réparer. Ça va me permettre de faire ici une deuxième épaisseur de mur pour plus me protéger si jamais j'ai des mecs qui viennent essayer de me tuer. Donc, dans le précédent épisode, on avait encore une fois une grosse baston. Il y a tout le monde qui est mort et j'ai perdu personne. Donc je suis plutôt content. Grâce aux tourelles, en fait, hein, les tourelles font beaucoup de boulot. Je trouve que c'est plutôt pratique. Ces tourelles-là, vous voyez. Généralement, ils peuvent pas s'approcher plus près. S'ils veulent me tirer dessus, ils peuvent pas être trop loin. Donc, du coup, c'est le bon emplacement pour mes tourelles, je pense. Je pense que là-dessus, j'ai bien géré. Ça gère à peu près, ça protège à peu près tout le tour. Donc, c'est plutôt pratique. Alors là, on a O'Neill Evans qui font du minage. Voyons voir minage. Oui, il va certainement augmenter en caractéristiques. C'est plutôt sympa. Ah, ça y est, il fait de la recherche. Ah bah voilà, Trevino il fait de la recherche, parfait. Donc là il est en train de rechercher pour des pics pneumatiques qui me permettraient de creuser plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai récupéré plein d'armes, des shotguns, des flingues, des grenades, des cocktails Molotov. Ce qui est plutôt pratique pour stocker. J'ai les batteries qui sont à fond, j'ai tout qui est à fond. C'est plutôt pratique, alors la recherche ça avance. On a les batteries qui prennent le relais ici, c'est plutôt bien. Mais écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Alors, je vais vendre ici.
mes trucs là, je vais vendre cette tourelle là aussi. Et cette tourelle là, je vais vendre tout ça, je vais refaire correctement parce qu'en fait j'ai... Est-ce que ça me redonne des matériaux? Oui, ça me redonne des matériaux. C'est plutôt bien. Hop! Voilà. Et celle-ci aussi, je vais la revendre. Ah, je peux pas la revendre celle-là parce qu'elle est, elle est cassée. Ok. Alors, on va faire des trucs. J'espère que je vais pas être attaqué en même temps. On va faire déjà des, on va refaire des, un mur en fait de protection. Un double mur. Comme ça. On va mettre une deuxième porte ici. Tac. J'ai pas mal de fer donc je vais m'éclater. Tac. Tac. Donc là c'est pas trop grave, je le referai après. Hop, tac. Donc là ça va me faire un deuxième mur de protection. Et je vais mettre ensuite des sandbags ici devant. Je vais les mettre pas trop loin en fait du mur parce que les... que je puisse mettre mes tourelles. On va faire comme ça. On va faire tout le tour en fait en sandbag. Ça permet à mes personnages de tirer au-dessus des sacs de sable. Tac. Là j'en ai mis un trop je crois. Non quoique. Non c'était bon. Tac. Là on va venir jusque là. Voilà. Et on va placer des tourelles. Je crois que. Par contre, je crois que j'ai plus assez de métal pour placer autant de tourelles que ce que j'avais. Ouais, c'est 160, j'ai plus assez de métal. Mais bon, c'est pas grave. Je pense pas qu'on va se faire attaquer tout de suite. Donc on verra bien. Hop. Donc ils peuvent passer au-dessus, hein, si vous me demandez. Ils peuvent passer au-dessus des sacs de sable. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc c'est pour ça que j'en mets tout autour en fait, hein, tout simplement. Et je vais mettre les tourelles derrière, elles seront elles aussi protégées par, par les sacs de sable. Ah, d'ailleurs j'ai oublié un là ici. Hop, bon ça évitera pas que les ennemis passent, mais ça me permet de me couvrir si jamais ils attaquent par ici. Ils se cacheront ici, puis moi je pourrais me cacher derrière mes sacs de sable. Allez, on va faire double épaisseur, double épaisseur. Tac, tac. Et j'ai plus de fer. Avec tout ça, effectivement, ça utilise pas mal. Alors où est-ce qu'il y a encore du fer ici? Il y en a plus, donc je vais espérer qu'ils minent une fois qu'ils ont fini de tout poser. Comme ça va me permettre de récupérer un peu du fer. Alors j'ai eu pas mal d'événements aléatoires, notamment des retombées de vaisseaux en fait. Et ça m'a permis de récupérer plein de fer et plein de trucs. Ce qui est plutôt sympa. Ok, donc c'est lui qui décide quand il y va en fait. D'accord. Et ça m'avait donné plein de fer et tout, ça m'a permis d'y aller. Regardez, j'ai une petite plantation aussi qui me donne de la bouffe. Bon, j'en ai vraiment beaucoup, donc ça tombe bien. Et donc là c'est pareil, il est où? Où est-ce qu'il est? Alvarez ici. Qui nettoie. Et c'est lui qui nettoie et c'est lui qui s'occupe du jardin aussi. Donc quand il estime que le jardin est bon, est prêt à être récolté, eh bien il y va tout seul. Ce qui est plutôt pratique. Donc là ils enlèvent ici les trucs qui gênent. Évidemment j'en ai plein. Ça prend un peu plus de temps, mais bon c'est pas grave. On va avancer ici. C'est parti. Alors il va falloir qu'il me répare aussi cette tourelle là. Donc Alvarez lui il est pas en réparation donc il ne le fait pas. Là il est en train de nettoyer en fait, il est en train de balayer un peu partout. Vous voyez que là c'est un peu plus propre ici. Il a un peu balayé. Tac tac tac. C'est bien les gars, c'est bien. Bon c'est bien les gars. Là il y a un petit cadavre ici aussi. Voilà, parfait. Donc ça va, ça empêchera un peu les ennemis de venir m'attaquer. Il va falloir que je mette des tourelles un peu partout. Mais pour ça, il va me falloir beaucoup, beaucoup de fer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ils sont en train de finir. Il y a O'Neill qui est là. O'Neill, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Lui, il va dormir. D'accord, ok. Allez, c'est parti. On va laisser passer. On va laisser passer leur dodo. Voilà, il y a encore Wilcox et Evan qui dorment ici. Pipad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 
Alors vraiment, honnêtement, là j'ai joué, donc ça fait 2 heures que je joue là à peu près, un peu plus de 2 heures. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Twitchip is passing nearby. D'accord. Eh ben écoutez, à très vino. Open communication. Alors, trading ship, voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut acheter du matos, mais bon, il me reste plus que 600 $. Donc c'est moyen. Cheap, d'accord, very cheap. Donc là, c'est vraiment pas cher pour le coup. Mais bon, ça sert à rien. Je vais peut-être le vendre plutôt. Quoique. Ça me rapporte combien? Ça sert pas à grand-chose. Et pas de weapon. People, ouais, bon. Bon, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Trevino, tu peux vaquer à tes occupations, y a pas de souci. Non, bah c'est pas la peine. Je peux pas faire de commerce maintenant. J'ai pas assez de trucs. Voilà, niveau bouffe, c'est très bien. Très très bien niveau bouffe. Bicox, là, ils vont construire ici. Ok, et bah écoutez, ça marche pas trop mal. Je pense que ça s'était bien déroulé dans les premières vidéos. Donc il n'y a pas de raison que ça se déroule pas bien. Vous voyez, Wilcox, il est passé au-dessus. Au-dessus des sacs de sable. Donc là, il ramène les poubelles. Ouais, c'est pas évident de marcher dans les poubelles. Effectivement, j'ai peut-être pas optimisé le truc. Du coup, il mettait un peu plus de temps. J'aurais dû commencer en fait par le fond. Parce que là, ils vont mettre 3 plombes à traverser. Bon, c'est pas grave, là, ils vont pouvoir finir ici. Hop, Trevino, il a faim, donc il va manger. Parfait. Donc il récupère plus de faim, je crois, quand ils sont assis à table, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je vais essayer une fois que cette longue session de jeu sera terminée, une fois que le let's play sera terminé ici, enfin le let's play cet épisode-là sera terminé, je vais essayer de me renseigner pour les autres fonctionnalités. Essayer d'en savoir un peu plus, histoire de que la deuxième session se passe un peu plus rapidement et que j'ai moins besoin de. O'Neill. Ah oui, il va réparer. Ok. Ah, il va réparer ici aussi. Et après, j'espère qu'il va aller miner parce qu'il faut miner pas mal là. Non, ah, il va réparer la tourelle. Je vais pouvoir la vendre, récupérer un peu de métaux, mais j'aimerais bien qu'ils aillent miner un peu. Ah bah par exemple, je peux lui demander de ne pas réparer à O'Neill. Toi tu répares pas. Et tu fais pas de hauling et tu construis pas. Voilà. Comme ça, il va aller forcément miner. Voilà, il va faire que miner, finalement. Comme ça, j'ai un mineur attitré. Et les autres qui construisent et qui refont ce qu'il y a à refaire. Bon, c'était peut-être pas la peine que j'en mette autant en même temps des trucs. Hein. Je vais peut-être en enlever un peu. Parce que de toute façon, il se cale derrière. Quand il y en a, il se cale derrière. Donc, ça me permet de récupérer un peu de métaux. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici pareil. Bon, ça les ralentit un peu, mais bon, c'est pas. Hop. Ça me permet de récupérer un peu de métaux aussi. Voilà. Et comme ça, ils se cachent. En fait, je mettrai les tourelles derrière les trucs, et puis eux pourront se cacher à côté. Ce sera plutôt sympathique. Alors là, ça mine, ça mine, ça mine. Bah a priori il n'y a pas de métaux ici. Je pense qu'il va falloir aller trouver un autre coin pour miner. Là il y en a ici, il y a du minerai ici. O'Neill, tu vas aller miner ici. Déjà ça. Ah, ils sont partis au lit. Ok. Bicox, il va pas au lit, Bicox? A priori non, Alvarez non plus d'ailleurs. Alvarez, il est en train de nettoyer. Hop, allez, il est en train de nettoyer ici.
C'est bien, c'est mon attendant. Donc là, ils sont bien là, ils sont près de la terre et tout. Non, je vais fermer après ici, bien évidemment. Je vais faire des chambres individuelles pour chaque personnage. On modifiera ça un petit peu. Alors là, j'ai 109, ouais. Tout, 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 tout. Alvarez. Je pourrais peut-être essayer d'enlever un peu ces pierres-là, histoire qu'ils se planquent moins les mecs qui viennent attaquer. Bon, c'est pas grave. Il y a deux morts. Ça c'est un guerrier qu'on a tué, et ça c'est un mineur que O'Connell. Il est mort dans le troisième épisode, je crois. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là ils dorment tous. Bon écoutez, on va passer en vitesse rapide. C'est pas la peine d'attendre pendant 10 ans. Hop, et ça c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, qu'est-ce qui se passe? Nothing was crushed. Ok, bon. Ah, il y a un truc là. Ah, Trevino, il calcule. Bah, c'est bien, ça va me permettre de miner plus facilement. Plus rapidement, surtout. Ah, il y en a là aussi du minerai aussi. Et il y en a là aussi, d'ailleurs. Il y en a plein, en fait. Et là aussi, il y en a. D'ailleurs, ça fait moins loin ici, non? Je pense. C'est O'Neill que j'ai là? Non, on s'en fout, de toute façon, il n'y a que lui qui mine. Voilà. O'Neill, tu vas aller miner ici, en priorité. Non, je suppose qu'il va revenir ici à chaque fois pour essayer pour miner ici. Il va pas y aller, il va pas faire tout ici. Enfin, je sais pas trop en fait. Il y a encore des petits trucs du gameplay que je comprends pas trop encore. Voilà, Alvarez qui est en train de faire le ménage, parfait. Et qui doit avoir certainement son truc. Growing, ouais, il a augmenté, social aussi. Ouais, le fait de nettoyer, ça lui demande pas. Donc il est incapable d'être intelligent, d'être sociable. Et caring, je sais pas trop, de ranger peut-être. Je sais pas trop. Caring, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voyez, il fait un petit truc et puis après il repart de nouveau. Pas trop pourquoi. Pourquoi il fait ça? Ah, il a peut-être faim en fait. Pas vu où est son chemin, où est-ce qu'il devait aller. Oui, il va manger en fait, oui. Ok, où est-ce qu'on en est dans la recherche? En progrès, ok, 2259 sur 3000. Trevino. Donc lui, il va avoir sa recherche qui va augmenter. C'est très bien. Bon, lui, il a ses stats qui montent bien. Hein. Ça monte vraiment pas mal. Ok. Donc c'est un jeu qui est quasiment, qui est, on va dire quasiment infini en fait. Vous établissez votre base sur votre map et vous avez des événements aléatoires qui arrivent et puis il faut simplement survivre à ces événements aléatoires. Alors je sais pas s'il y a une fin, je pense pas parce que c'est encore une version alpha, donc à mon avis il n'y a pas de fin encore. Enfin, moi ça devrait arriver. Ça devrait arriver, je pense, dans la version finale. À savoir que le jeu est disponible pour 30$ je crois. Vous pouvez jouer à la version alpha. Vous payez 30$ au minimum. Bon, ce qui c'est relativement cher quand même. Mais bon, le jeu est bon. Le jeu est bon, donc on va pas non plus se plaindre. Voyez, lui, il mine plus vite que Evans parce qu'il a des caractéristiques au minage qui sont plus élevées. Il a 11 alors que Evan, il a 7. Ah, cool. Voilà, ils ont hop là. 20% de minage de rapidité supplémentaire. C'est très pratique. Alors, on va faire un autre truc de recherche du coup, vu qu'on a recherché déjà ça. Boulet trouver table to rapidly grow crops indoor. Allez, c'est parti. On va rechercher ce truc-là. Donc, on verra bien Trivino quand tu voudras rechercher. Il ira à sa table de recherche. Il le fera tout seul. Je peux pas lui obliger à le faire. Ah. It was too far from any support, nothing was crushed. Ouais, c'est ça qui est tombé en fait. Je vais fermer ici la cantine. Structure. Ce qui m'embête, c'est que. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser encore du métal, mais. Hop. Et ici, pareil, non, qu'est-ce que je ferme ici? Oui, parce que là, c'est en train de se casser la gueule aussi. Ouais, c'est ici. C'est en train de se casser la gueule aussi. Donc je vais faire juste un mur comme ça en fait. Ici comme ça. Ça me fera. Je détruirai après, c'est pas bien grave.
Comme ça permet de pas avoir le truc, le plafond qui se casse la gueule. Ok, là il ramène les trucs, parfait. O'Neill, il est encore en train de dormir. Allez, on va passer ça en vitesse rapide. Ok. Et moi j'aimerais que tu mines ici en priorité, mon gros. Allez, c'est parti. Alors là on a un vaisseau apparemment. Ah non, personne. Ah non, c'est le trading ship qui est parti en fait. D'accord. J'avais le temps en fait. Ok, donc là ils sont en train de construire un mur ici. Sais plus ce que j'avais mis ici, je crois que c'était du pavé, je crois, il me semble. Voilà. Et je suis en low métal. Donc là, ah ben voilà, là il est en train de miner. Parfait. Là il est en train de miner ici. C'est très bien, comme ça va me permettre d'avoir du métal. Ok, super. Bah là, ça c'était pas la peine en fait. Ah bah si, quoique si, parce que je vais faire une. Je vais faire en fait. Ici, ça va être la salle de recherche, etc. Je vais virer tous les lits. Et je vais faire des chambres individuelles ici en fait. Pour chacun de mes personnages. Et il y aura la même chose de l'autre côté ici. Pour d'autres personnages qui vont peut-être venir par la suite. Ok, bah ça va, il y a du métal ici. Très bien. Très bien, très bien. De la bouffe, j'en ai. À ne plus savoir qu'en faire. Ok, jusque là ça va. Ok, alors là on a du boomerang qui se trimballe. Hey, O'Neill! Ah oui, voilà, ouais. Ouais, et Trevino, elle va chercher le métal. Ouais, parfait, super. Non, bah, c'est nickel. Evan, il continue à creuser. Ah, il y a du métal ici. Ordre, ici. Vas-y, va faire ça en priorité. Ça fait du métal pas trop loin. Et là, il y en a encore plein, hein, du métal. Il y en a encore plein du métal ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, O'Neill? Il va manger. Mais il fait que manger, ce mec! C'est pas possible. Ah, ok, Trevino, il va virer la bestiole qui était morte ici, là, parce que ça fait un peu dégueulasse. Vous voyez, c'est tout propre maintenant. Il a tout nettoyé, notre ami. Ah, c'est pas le même sol en fait que j'ai mis ici et que j'ai mis ici. D'accord. Donc là, ça doit être du métal machin. À mon avis. Structure, ça doit être du métal truc comme ça là. Ou du concrete peut-être. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas en fait. C'est pas grave. Pas très utile. Donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai rien besoin. Donc c'est pas plus mal. Alors là, il faudrait aller chercher le métal, s'il vous plaît, les amis. Voilà, Trevino, elle y va. Tac. Elle va ramener le métal et je vais lui dire d'aller chercher celui-là aussi. O'Neill, il est où O'Neill? Ah, il est là. Il est en train de miner ici alors qu'il y a des trucs à miner ici. Parfait. Bah, elle y va toute seule. À croire que le jeu s'adapte à votre façon de jouer. Donc là, par contre, il faudrait que je change aussi le sol ici. Mais je peux pas mettre des trucs et puis ça va me coûter du pognon. Bon, je changerai plus tard en fait quand j'aurai. Enfin, ça va me coûter du pognon, ça va me coûter du métal plutôt. Ok, bah ils sont pas fatigués hein. Bon, non, c'est bon, largement. O'Neill, il vient de manger. Hop, ça je vais le mettre comme ça ils l'emmèneront dans une tombe. Ça évitera qu'il traîne près de ma base. Et lui aussi d'ailleurs. Tac. Il va falloir que je refasse des tombes du coup. Structure, area, building, grave. Voilà, on va faire des tombes parce qu'il va y avoir des morts, je pense. Pour l'instant, tout se passe à merveille dans ce cinquième épisode de RimWorld. Un jeu qui est vraiment très 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 prenant.
Alors, j'ai eu du métal, c'est parfait. Alors, on va passer ça en vitesse rapide. Alvarez qui passe le balai. Qui mange. Hop, et qui va se coucher. Parfait! Alors, où est-ce qu'elle va, elle? Elle va creuser les tombes. Wilcox, il fait toujours rien. Evans. Evans, il est en train de manger. O'Neill, tu vas venir ici miner en priorité, s'il te plaît. Ah, mais non, il y en a là aussi. Ordre, ici. Voilà. Oui, bon, de toute façon, il y en a là aussi. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, il faudra quand même que j'aille le chercher. Alvarez, il s'occupe des plans. Wilcox, il se fait chier. Mais bon, il y a rien d'autre à foutre. Ben, les animaux me donnent rien en fait, donc c'est peut-être pas nécessaire que je les tue. Ça c'est quoi? Ok. Là il y a plein de minerais aussi là. Alors, je pense que du fer il y en a pas mal, puis il doit y en avoir un peu disséminé un peu partout. Enfin du métal plutôt. Ok, lui il va chercher. Evans il va chercher des trucs. C'est très bien. Donc là je vais pouvoir faire qu'une seule tourelle, donc je vais attendre d'avoir pas mal de métaux. Où est-ce qu'il va lui? Non. O'Neill, ici, je t'ai dit le minerai. Ah, il faudrait que j'aille plus loin en fait dans mon truc. C'est-à-dire que je reste pas sur. Voilà, par exemple ici et ici. Voilà, comme ça, toi, tu fiches ici en priorité. Tu vas où, Evans? Ah ouais, mais lui aussi, il répare. Ouais, mais c'est pas bien, il faut pas que tout le monde répare non plus. Parce que sinon, ça va pas le faire. À la limite, je vais le donner à Alvarez. Est-ce qu'il répare, lui? Il fait construction. Ouais, je vais le donner à Alvarez, en fait, il va aussi réparer. Repairing. Hop. Et Evans, je vais lui enlever Evans, le repairing. Voilà. Et il va juste aller chercher les trucs. Alling. Ah, c'est ça, Alling, en fait. C'est pour aller récupérer les machins. D'accord. Alors, on va lui faire aussi à O'Neill aussi. Qu'il puisse récupérer aussi des trucs. Donc lui, il va bouffer encore une fois. Alors, on a Trevino qui va mettre un corps dans une tombe. Voilà. Et qui va aller récupérer des trucs. Alors, Trevino, là aussi, Alling. Ouais, d'accord. Ok. J'aurais pu la laisser juste uniquement en recherche. Mais bon, c'est pas forcément très très utile, va quoi que. Quoique. Bon, Alvarez il reste dans le coin. Voilà, là il me ramène du métal. Annie il va bouffer. Ouais. Bah lui, je peux pas le mettre autre chose. Il y a pas d'autre case ici. Il est un peu con celui-là. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense que ouais. Trevino, je vais lui enlever le hauling en fait. Ah ouais, ok. Il pose tout par terre en fait. Je vais lui enlever le hauling et je vais lui laisser et le repairing aussi d'ailleurs. Bah, quoique, il faut qu'il y en ait qui repart quand même. Je vais lui laisser la recherche. Ça, je suis obligé de lui laisser. Ouais, je vais lui laisser juste la recherche comme ça, il va aller rechercher. Voilà. Evans, il va faire du hauling donc il va faire des allers-retours. Et O'Neill il va miner ici. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait, Evans? Ah, il va miner. Non, viens chercher ça en priorité d'abord. Voilà, Alvarez il répare. O'Neill il casse. Et il ramènera ses minerais aussi. Parce qu'il a Alling. Donc il pourra ramener ses minerais. On verra bien ce que ça donne ici. Voilà, Evans y va chercher. Alvarez, c'est bon. Wilcox, c'est bon. Allez, on va passer en vitesse rapide. Ok, il va faire dodo. Evans, il a ramené du matos.
Alors Evans, tu vas aller chercher ça en priorité, le métal. Et toi aussi d'ailleurs. Bon, ça me permettra de construire des tourelles. Qu'est-ce qui est en construction ici? Trevino et Evan. On mettra O'Neill aussi en construction. Comme ça, ils seront plusieurs. Ça pourrait être pratique. Ok, ça va me donner plein de métal, ça. On va pouvoir construire des tourelles. Alors, on va en construire une ici. Tac, on va en construire une ici. Tac, une ici. Tac. Déjà trois tourelles, c'est déjà pas mal. On va construire ici un autre petit mur ici pour protéger la tourelle. Ah, j'ai plus assez de métaux. On va chercher d'abord le métal. On a O'Neill qui va construire. Trevino qui construit aussi. Et Alvarez qui fait dodo. Alvarez, il fait dodo. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il a faim. D'accord. Enfin, elle plutôt. J'ai toujours tendance à dire lui, alors que la plupart de mes personnages sont des femmes. Même Wilcox qui est une bonne tireuse. Voilà, il n'y a que O'Neill qui est masculin en fait, les autres sont des femmes. Voilà, on va construire tes défenses. Evans. Oui, bah c'est bon, il y va. Oui, j'espère qu'il va pas miner. Alors. Je sais pas si. Je crois qu'il est éliminé en fait. Wilcox, toi, t'as pas d'armes, toi. Wilcox, il a pas d'armes. Alors, il va prendre un fusil à pompe. Voilà, parfait. Ah, c'est bien, tu peux vaquer à tes occupations maintenant que t'as ton fusil à pompe. Est-ce que t'es toujours loyal? Oui, c'est très bien. Je suppose que tout le monde est. Ouais, ça va. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien du tout. C'est très bien. O'Neill, il mine. Même si j'aurais préféré qu'il mine ici, mais bon, c'est pas grave. Evans, il va miner, mais je préfère qu'il aille récupérer des matériaux ici. Il y en a un là d'abord. À récupérer. Ah, hydroponique. Allows you to build hydroponic table to rapidly grow crops indoor. Ok, alors qu'est-ce qu'on va rechercher d'autre? Qu'est-ce qu'on va rechercher d'autre? Allez hop, on va rechercher ça. Alors qu'est-ce que j'ai eu moi? Hydroponic table for growing food. Hydroponic table grows a few plants quickly. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, for growing food. Je le mets là alors ou quoi? Je sais pas trop ce que je dois en faire. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas trop quoi ça va marcher. Ok. O'Neill! On récupère des trucs d'abord. Avant de t'en aller. Eh bien, écoutez, cette petite colonie se développe très très bien, moi je dis. Oui, c'est un jeu où il faut prendre son temps. Bon, on peut être en accéléré, mais j'aime bien les regarder un peu bouger à droite à gauche, faire ce que je leur demande, etc. C'est vraiment comme un jeu de stratégie. Où c'est qu'il va, Alvarez? Il va nettoyer ça? Ah non. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des graines ou quoi? Alors, what this? Hydroponic table. Je sais pas trop ce que c'est. A priori, il y va. Ah, ça accélère les plantes de patates. Ah, ok, d'accord. Il peut mettre des plantes de patates dedans. Ça remplace ce truc-là, en fait. Et ça accélère les... Oh la vache! Ah ouais, 2 jours. Alors que là, il faut... Alors que là, il faut... Bah là, il s'en est à 61%, mais... Ça a 5% de pousse.
Là, c'est à 87%, il reste 0,3 jours. Là, c'est à 5%, il reste que 2 jours en fait. Ok. C'est pas mal ça. Par contre, on peut en mettre que 4. Alors, là, il y en a un peu plus. Bon, en bouffe, je pense qu'on est pas mal en bouffe. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va faire dodo. Evans, il fait déjà dodo. Alvarez. Ah, il a pas all-in lui. Il va nettoyer le sable qui est là. Vicox, il va faire dodo aussi. Bah écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Alors je vais préparer ici encore une tourelle supplémentaire. Que je vais mettre ici. Avec un petit tas de ça pour le protéger la tourelle. Et ensuite je vais en mettre encore une ici, une dans le coin. Celle-là, ah oui, celle-là, faut que je la vende. Touc. Et on va construire deux murs ici. Des portes, je crois que j'en ai partout. Oui, j'en ai partout. Là, je peux vendre également ces deux petits câbles-là qui servent à rien. Voilà. Tac. Bah, écoutez, moi je dis que c'est vraiment pas trop mal. On est plutôt bien placé là. Là, il faut qu'il continue après à miner ici à l'intérieur. Donc, il faut bien faire attention de bien protéger avec les plafonds et tout parce que ça pose problème. Ça se casse la gueule. Allez, on va accélérer le temps ici. Allez, c'est parti. Donc là, ils vont construire là. Hop. Et on va mettre des petites lampes ici un peu partout. Fourniture. On va mettre des petites lampes comme celle-ci. On va en mettre un peu partout histoire qu'on y voit un peu clair. Alors, combien j'ai mis là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas là que je voulais les mettre. Je crois pas. Je sais plus. Non, c'est pas ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je peux pas. On va la mettre ici. Voilà, comme ça fait un peu tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, c'est pas là. C'est l'autre après. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ouais, c'est bon. On va mettre des petites lampes aussi dans le couloir là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Ici non plus d'ailleurs. Voilà. Ici non plus. Ah, j'ai plus de métal. D'accord. Ben voilà. Bon, ça va m'utiliser un peu de puissance, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Yeah! C'est bon ça. C'est bon ça. Alors là, ils vont miner. Oui, va chercher d'abord le métal. Evans, j'aimerais bien que tu ailles chercher d'abord le métal aussi qui est là. Parce que là, j'ai plus de métal pour construire des tourelles. Et j'ai pas envie qu'on se fasse attaquer. Là, prends celui-là d'abord, il est pas très loin. O'Neill va miner ici, là d'abord. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de. Qu'on n'a pas eu de. D'éléments aléatoires. Ah, il y a du minerai aussi ici. Ok. Et par contre, il y a un geyser ici qui pourrait me donner de la. De... Qui pourrait me donner du. De l'énergie. Un géothermal, il faut les mettre sur un geyser. Ça peut me donner de l'énergie en fait. C'est plutôt pratique. Au niveau de la recherche, Trevino, où est-ce qu'il en est? 10%. Ouais, cool. Donc là, ça utilisera 10% de moins de bouffe pour faire nourrir. Donc, comme ils en utilisent 10, ça va en utiliser plus que 9. Ce qui est plutôt pratique. Hop là, pardon. O'Neill, je t'ai demandé de miner ici. S'il te plaît. Evans, tu vas aller me récupérer ici le métal.
Alvarez, il s'occupe de la bouffe, c'est très bien. Ah, cool! Passe des Spencer consomme 10% less food par 1000 produced. Alors, on va chercher autre chose. Genre, par exemple, les tourelles, qui vont tirer 4 coups au lieu d'en tirer 3. Ah, lui, il augmente en recherche, hein, oui. Ça a pris le pas sur le reste. Alvarez, il va où Alvarez? Il va réparer le mur ici. Donc là, j'ai un petit peu de métaux, mais pas assez. Evans, il va se coucher. O'Neill, il va se coucher. Mais ils vont tous se coucher en fait. Sauf Alvarez qui va bouffer. Alvarez, il va bouffer lui? Ouais. Allez, c'est parti. Pipadipadi, tout padoupadou. 2 heures du matin, 3 heures du matin. Hop, et c'est reparti. Alors, on a Trevino ici. Qu'est-ce qu'il fait Trevino? Il va bouffer. O'Neill. O'Neill, tu vas miner ici d'abord. On va vendre ici un mur. Voilà, et on va en faire une. On va mettre une porte ici. Et ici c'est pareil, on va faire. J'aimerais bien garder un peu de métal. Structure, voilà. On va faire une porte ici aussi. Ça permettra de tenir un peu le tout. Priority. Voilà, il va ramener ça. Bon, il n'a pas beaucoup, il en a 65 sur lui. Alors, Alvarez y répare les murs qui se sont abîmés pendant la nuit. On a les batteries qui vont se recharger un peu moins vite parce qu'on a pas mal de lampes quand même. Peut-être rajouter ici des trucs. Non, je vais rajouter d'abord une tourelle. D'abord, question de sécurité d'abord. Tac. Voilà. Bien protéger la base. On verra bien ce que ça donne avec les tourelles pour la protection. D'ailleurs, j'ai pas rajouté ici dans les structures, j'ai pas rajouté ici de petits morceaux de tas de sable. Ici, c'est bon. Je vais certainement en mettre une ici dans le coin là. Ou ici. Ouais, plus ici, je pense. Quand j'aurai assez de métal. Alors, Evans, il va construire le truc là. Ok. Là, il y a encore du métal à aller chercher là. Je vais attendre qu'O'Neill il ait fini. Je vais l'envoyer chercher le métal. Hop, va chercher le métal d'abord. Alvarez, il passe le balai. Ah, lui. Alvarez, growing. Ok, bon, il va aller le chercher tout seul en fait. Non, il peut faire du hauling aussi, hein. Alvarez, voilà, va chercher la nourriture d'abord, sinon elle va pourrir. Et en plus, comme ça te permettra de replanter. Encore. Voilà. Parfait. Tac, 569, c'est très bien. Les bâtisses rechargent doucement mais sûrement. O'Neill, il ramène du métal. On va aller encore en chercher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Evans, ok. Evans, il est parti tout seul. Va dire de faire ici aussi. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Ensuite. Donc je sais pas du tout, là j'ai pas mis de chrono du tout pour le temps de la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première session. Donc là on n'a pas eu d'attaque de nouveau, mais bon c'est pas grave. On en aura certainement dans la prochaine vidéo.
Donc sur ce, je vous dis, je vais mettre sur pause, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine session de jeu, je vais la faire, je pense que là, je vais sauvegarder ici et je vais la faire plus tard. Je vous tiens au courant pour la suite et on reprendra là où on s'est arrêté. Et on va essayer encore une fois de construire. Donc les futures choses qu'on va faire, c'est déplacer les lits ici, donc virer les lits qu'il y a ici, fermer ici au niveau des locaux la batterie. Pour fermer tout simplement et rajouter peut-être des batteries. On rajoutera également des panneaux solaires, voire un truc géothermique ici ou ici. Je ne sais pas trop lequel sera le mieux. Je pense que c'est à peu près kiff-kiff équivalent au niveau de la distance. Peut-être celui-là est un peu moins loin. On ira poser un truc géothermique ici, récupérer toujours du minerai, etc. Récupérer faire du minage, agrandir ici pour faire des chambres individuelles. Ici, je virerai ici cette pièce-là et je rajouterai encore des étagères ici. Ce sera le lieu de dépose des armes, etc. Et on construira également. Je vais virer aussi ce qu'il y a ici pour pouvoir faire une déchetterie un peu plus propre. Je sais pas trop ce qu'on va faire de tout ça en fait. J'aurais dû les laisser à l'extérieur, ça va prendre de la place pour rien. Au pire, je reconstruirai à l'extérieur, c'est pas gênant. Je reconstruirai évidemment des tourelles pour protéger. Et on fera en fait une deuxième barricade ici, tout autour, avec de nouveau des tourelles dedans, pour encore plus protéger la base, pour éviter d'être attaqué par d'autres colons et tout. Je pense que là, au niveau de la peur, je pense qu'a priori, voilà, la peur est très très basse, donc ils n'ont vraiment pas peur. Ils sont pas très loyaux par contre, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop ce qui. Qu'est-ce qui leur plaît pas? Personne believe in the colony, the fast to low, a person may give up, become irrational or go insane. Reality is equal to happiness or fear, whichever is greatest. Ok. Et eh ben voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain let's play, le prochain épisode de mon let's play sur RimWorld. Toujours pareil, hein, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce vert, un petit commentaire, et je vous tiens au courant pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous les amis, et portez-vous bien. Salut.